J'ai vu un sujet qui m'a vraiment. Je me suis demandé, je me suis dit, mais ça aurait été un vrai sujet. C'est quoi? Il y a une femme. Et c'est intéressant parce que c'est des sujets où aujourd'hui, on dirait qu'il est presque impossible d'avoir des conversations saines et sans que les gens s'énervent en fait. Donc il y avait un spa asiatique. Donc c'est un spa, voilà. Et c'est un spa spécial vraiment que pour les femmes. Parce que c'est un endroit où quand tu arrives à la réception, donc tu te reçois, tu vas dans un vestiaire et ensuite tu enlèves tous tes vêtements. Et tu es censé être justement complètement enfin, protégé, hein, puisque c'est un endroit où il n'y a que des femmes. Et donc tu passes la journée là-bas, on te fait un peu, on peut te massage, on peut te faire des ongles si tu veux, tu fais un peu de hammam, vraiment c'est un truc entre vous, entre femmes. Et donc cette dame va dans le spa en question avec sa fille. Et elle se dit, voilà, on va faire une voilà, journée entre girls, tu vois. Et donc ils y vont. Et donc elle est là avec sa fille. Donc ils se font masser, ils se font mettre les crèmes, les ceci, masques, visage, etc. Vraiment, un jour mère-fille, quoi. Et à un moment, il y a une espèce de grand jacuzzi, un grand cercle comme ça, où les femmes vont et elles restent toutes ensemble, elles sont là, ça papote entre femmes, et c'est vraiment un truc, tu vois. Et arrive un transsexuel. Non opéré. Avec son truc qui pend. Son sexe pendant. Mais comme il a décidé qu'il est une femme, ou comme il se sent femme, il se sent qu'il a le droit de venir ici. Et donc, la femme se retrouve maintenant avec la petite fille et quelqu'un qui vient rentrer dans le bain avec vous, nu, avec son ami, puisqu'il a décidé, enfin, il se sent femme, il a décidé qu'il peut donc aller dans le Aller avec les spa autres. avec vous. Et quand. Au début, elle ne sait pas quoi dire, puisque maintenant sa fille se retrouve avec un homme nu, biologiquement un corps d'homme nu. Et à un moment, la femme finit par demander au personnel, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc on commence à demander à cette femme donc c'est transgenre, on dit de sortir. Et qu'est-ce que cette femme, enfin, qu'est-ce que cette personne fait comme généralement aujourd'hui, c'est le cas aujourd'hui, elle prend son téléphone et commence à filmer en disant, regardez, transphobie. Regardez ces gens, ils machin, je suis allé dans tel endroit, on me refuse l'accès, on m'a mis dehors parce que nanana. Et la femme disait, moi je n'ai pas de problème en fait avec avec ta condition et avec ce que tu ressens que tu es. Mais en fait, comprends que biologiquement en tout cas, peut-être que si tu étais transformé, je ne sais pas si c'est ça, mais enfin, si tu avais subi ton opération jusqu'au bout et que maintenant tu avais un sexe de femme comme nous et que tu avais, ce serait différent. Mais là, même si dans ta tête ou dans ton cœur ou dans ton âme, tu es une femme, physiquement, ce que ma fille de 6 ans voit, c'est un homme nu. Et je suis venu dans un endroit qui est un safe space. Et finalement, d'une certaine façon, pour moi, tu violes ce safe space. Et évidemment, ils sont tous arrivés en mode, oui, oh, c'est injuste. Fermez cet établissement, tu connais, le cancel culture. Et
les femmes se disent ah, comment, quelle aurait été ta réaction si tu avais été avec ta fille dans un spa comme ça, et puis arrive un, comme on dit en France, un sgeg. Bon, tu sais, on vit dans un pays de des libertés, de droits. Mm-hmm. Alors, une petite fille, ma fille de 6 ans, mm-hmm. qui n'est pas au courant de ces choses, mm. je veux simplement la prendre et sortir. Et n'est pas avoir l'air d'un transphobie, tu vois. Mm. Parce que la réaction d'une mère, c'est toujours de protéger sa fille. Exact. C'est ce que disait la femme. Parce qu'à 6 ans, oui, à 6 ans, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser un enfant de 6 ans voir, parce que ça va le troubler. Mmh. Alors, pour ne pas le troubler, même un enfant de 6 ans, même pour lui parler de la sexualité, on parle d'une certaine manière. Ce n'est pas la même manière que tu vas parler avec une fille de 16 ans. Mmh. Ou avec un garçon de 15 ans, 17 ans. Mmh. Tu vois? Donc, à chaque âge, il y a un langage approprié pour aider cet enfant de cet âge à mieux saisir ce que tu veux dire, pour ne pas aussi le troubler. Donc moi, si j'étais à la place de la maman, je comprendrais que bon, c'est une personne trans. Et alors, comme ma fille n'a pas encore ce niveau de compréhension, donc c'est à moi de me retirer ou de retirer ma fille pour qu'elle ne soit pas troublée, pour qu'elle me pose des questions auxquelles je ne saurais pas répondre. Mmh. Tu vois ? Donc maintenant, oui. Là où tout le monde a une caméra, c'est très compliqué. Donc, c'est parce mieux vaut quid toi de ton... qui te sens. Quid de ton jour. Quid de ton Mother and Daughter Day. Mm-hmm. Parce que si tu te retires et que tu as acheté, par exemple, un c'est pass pour passer 4 heures, tu vois. Je t'ai raté. Tu m'entends? Oui, je t'entends maintenant. Oui. Ok. Toi, tu as acheté un pass, par exemple, de 5 heures pour passer 5 heures au spa avec ta fille. Et au bout d'une heure, tu te retrouves à devoir partir pour éviter la controverse. Mmh. Puisque très souvent... Il n'y a pas un autre endroit. Il n'y a que ce jacuzzi-là. Je sais pas, moi je connais pas l'endroit, peut-être que c'est un endroit central. Je pense que c'est un endroit central où tout le monde se met, puis après tu as des différents endroits, effectivement, mais tu avais toutes les femmes qui étaient là, et puis cette femme-là arrive nue, et tout le monde est un peu choqué, puisque la personne est barbue, et puis... Enfin, tu vois, et c'est très tricky parce que sous parfois l'acceptation, parfois en fait, et dans la société d'aujourd'hui, les gens veulent forcer certaines acceptations et parfois veulent. En utilisant les caméras et il y a un sentiment de entitlement aujourd'hui où les gens se disent je peux, je dois montrer, et puis si qui que ce soit a un problème, je suis directement une victime, je me victimise et j'en fais un scandale. Et c'est très compliqué pour les gens qui travaillent dans le spa, qui ne savent pas quoi dire. Et je, personnellement, hein, je pense que même quand on veut faire avancer les mentalités, parfois il faut enfoncer des portes, mais parfois il faut quand même avoir une certaine, soit aussi se dire attends, il y a des enfants, tu vois,
et arrêter de penser que c'est moi, en fait. Il y a des gens qui vous comprennent, en fait. Mais vous ne vous aidez pas en faisant parfois certaines actions d'éclat. Il y a eu une histoire comme ça où quelqu'un a fait un scandale parce qu'il voulait aller dans les toilettes des femmes. Et il y a une femme qui a été choquée à un moment de voir quelqu'un qui pissait debout. Dans les toilettes des femmes. Dans les toilettes des femmes. Et a dit à la personne, mais j'ai rien contre vous, mais puisque vous n'êtes pas encore opéré, puisqu'il y a, c'est binaire le choix. Et il y a parfois des gens qui, et je comprends ce qu'ils peuvent ressentir, hein, ils peuvent se sentir perdus finalement dans un espace où il n'y a pas de, il faudrait peut-être un troisième espace pour eux, c'est peut-être ce qu'ils pensent. Et puis il y a des gens qui vont dire, ok, on comprend le sentiment, mais quand on pense peut-être par logique, en fait, logiquement, peut-être que tu devrais aller avec ta biologie en attendant de changer de biologie, entre guillemets, quand tu deviens vraiment, quand tu passes vraiment de l'autre côté, que tu atteins la fin de ta transformation. Là, effectivement, personne ne devrait t'empêcher de comporter comme tu es arrivé finalement à ta destination. Et parfois, il y en a d'autres qui forcent, tu vois. Ils veulent forcer, ils veulent machin, et puis ils ont leur téléphone prêt, tu vois. Ou c'est la même chose quand tu as des scandales parce qu'un rappeur ou un chanteur est sorti avec un gars sans savoir que c'était un gars. Et puis lui met un coup de poing. Les gens disent, ah ouais, mais c'est de la transphobie. Le gars dit, non, c'est du mensonge sur pub. C'est tu vois. C'est, je comprends, c'est, là. C'est 8 mois d'email avec mensonge au bout. Tu vois, c'est... Et c'est très sensible, c'est très compliqué, mais j'ai l'impression que sur beaucoup de sujets, il n'y a plus de raison. Tu vois, Je pense aussi qu'il y avait une loi claire que voilà, cette personne est déclarée femme à partir de tel moment, ou bien cette personne est déclarée homme à partir du moment où elle a eu son opération, peut-être, mais comme la loi ne dit pas. La c'est loi ça. Ici au Canada n'est pas vraiment claire à ces sujets. C'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a certains qui sont qui se sentent femmes à l'intérieur, mais qui n'ont pas du tout l'intention de changer de sexe. C'est ça. Tu vois? Exactement. Voilà. Mais c'est là où ça devient compliqué. Mais ils ont la liberté. Ils sont libres. Ils ont le droit de vivre la vie qu'ils veulent. Exact. Voilà. Donc, dans quelle toilette il ne faut pas à cette personne lui obliger que non, tu ne peux pas être dans ce spa parce que tu n'as pas encore subi d'opération, parce que ce que nous voyons est en train de nous déranger ou de déranger ma fille. Donc, je pense que nous sommes dans un monde où on est en train de se... On doit accepter. On doit accepter. Donc, les spas doivent être mixtes. Bon. Quand déjà vous voyez que c'est un espace donné pour femmes et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là, ben, il faut directement comprendre que bon, c'est une personne qui se dit femme aussi. Mais donc, moi qui suis un grand pervers, c'est une hypothèse. Imaginons que je sois un grand pervers. Imaginons que je sois un grand pervers et que je décide maintenant que ma technique... Tu vois la caméra, elle est tricky. Je vais prendre juste cette phrase-là. Moi qui c'est suis ça. Pervers, je coupe. Chez Instagram. C'est fini. Mais tu vois, c'est-à-dire que... Je fais le Photoshop avec d'autres images et t'es foutu. On est parti. Si je suis un pervers et que je veux me rincer l'œil, donc je peux juste dire, mais je me sens femme et... aller dans tous les spas, regarder toutes les femmes à poil. Oui, les gens de mauvaise intention peuvent aussi en profiter. C'est ça. Oui, ils peuvent se déguiser et pour rincer l'œil et avoir ce qu'ils veulent. C'est ça. Donc, c'est difficile, quoi. C'est compliqué. C'est très compliqué. Parce qu'eux-mêmes aussi, eux-mêmes ne sont pas protégés, tu sais. Ils sont souvent agressés.
Exact. Ils sont régulièrement agressés. Tout à donc, fait. Donc, hypothèse, c'est, évidemment. C'est vraiment compliqué. Ouais. C'est compliqué, c'est-à-dire que. Ouais. C'est compliqué. Il faut quand même penser à ce que va voir l'enfant. Et pour moi, je pense que non seulement. C'est clair que c'est à toi de protéger ton enfant. Mais je pense que la responsabilité aussi, c'est de se dire, mais s'il y a des enfants, c'est aussi à moi de ne pas faire passer mon envie. Tu vois ce que je veux dire? Quoi? Si je suis dans ce truc où j'ai envie d'être avec d'autres femmes parce que je me sens femme, mais j'ai pas envie de m'opérer, ou je peux pas, ou j'ai pas encore les moyens, etc. De me dire, tu vois, il y a peut-être des endroits spécifiques. Moi, je m'entraînais longtemps dans une salle à Paris, à Châtelet, qui était une salle gay. Et c'était une salle de sport, donc ouvert à tous, même si c'était un espace gay. Non, pour le coup, c'était pas ouvert aux femmes. C'était que pour les hommes, mais les hommes hétéros pouvaient aller dans cette salle. Donc, moi, je suis un homme hétéro, j'allais dans cette salle, il n'y avait pas de problème. Beaucoup de gens étaient gays. Franchement, c'est longtemps après avoir commencé à aller que c'est quelqu'un m'a dit « Ah, toi aussi, tu vas là-bas. Ah, tu fais partie. » Je fais partie de quoi? Ah ben, c'est une salle gay très célèbre ici. Ah, je savais pas. Mais ça me dérange absolument pas. Par contre, en dessous de la salle, c'était un sauna gay. Donc moi, je n'avais jamais osé mettre les pieds en bas, en dessous, mais je savais aussi qu'en dessous, non seulement c'était sauna, et qu'il y avait un jour où, là par contre, c'était un jour sauna plus siavinité. Donc, je savais que moi, je restais là-haut, tu vois. Mais là, effectivement, tu avais tout type de sexualité qui allait là-bas. Et là, tu sais que si tu vas en mode sauna, etc., il n'y a pas de problème en fait. Et qu'il y avait aussi des femmes gays qui allaient, etc., etc. Donc, ça ne veut pas dire mettez-vous entre vous et restez entre vous. Ce n'est pas ce que je dis. Mais à un moment, on est dans un monde où, comme tout le monde a décidé maintenant, moi je suis arbre, moi je suis ceci, moi je suis day, moi je veux les histoires de pronoms, etc., où on crée beaucoup de sous-catégories dans un monde qui a été créé de façon un peu binaire, en fait, homme-femme. Et donc, il faut quand même que d'un côté, les gens doivent comprendre aussi ce que les gens ressentent. Mais de l'autre côté, les gens qui ressentent ces choses doivent quand même avoir un peu de logique sur le monde qu'ils affrontent. Et effectivement, parfois, vous êtes des victimes. Et c'est très important de que vous soyez protégés. Mais parfois, les gars... Yeah, bon, tu sais, comme... Même chez les hétéros, il y a toujours des gens aussi qui exagèrent tout ça. Je pense que chez les trans, chez les gays, tu vas rencontrer des gens qui sont vraiment respectueux. Exact, j'en connais énormément. Il y en a. Ouais, donc, on va trouver des voyous partout. On va trouver des gens qui ne pensent pas aux autres. C'est ça. Que ce soit chez les hétéros, que ce soit chez les homos, que ce soit chez les trans, vous allez trouver ça dans toutes les catégories. Quelle politicienne. Pour moi, il est le fait qu'on ne peut pas traiter ces personnes comme des pestiférés. Évidemment que la personne devrait terminer sa transformation. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Parfois, les gens n'ont pas la possibilité aussi de terminer leur transformation parce que c'est... Ça coûte cher. Il faut commencer par les traitements des hormones. Ça peut être très dangereux. Il faut vraiment être temps. Et puis après l'opération, il y a un temps des traitements des hormones, il y a un temps de traitement psychologique aussi, parce que tu dois être prêt psychologiquement. Parce que dès que tu acceptes l'opération, il faut accepter maintenant ton nouveau toi, le physique, le nouveau physique, il faut l'accepter. Donc il faut déjà qu'on te prépare aussi psychologiquement. Et ce n'est pas tout le monde qui a le moyen de se payer un psychologue, et ce n'est pas tout le monde qui a le moyen de suivre, d'avoir les traitements hormonaux. Donc... À chacun a ses raisons pourquoi il ne va pas jusqu'à l'opération.
Que pensez-vous des trans dans le sport scolaire? Ici, ils ont voté contre aux States. J'ai vu qu'en Nouvelle-Zélande, il y a justement, ils ont laissé certains athlètes qui étaient champions hommes devenir champions femmes. Mais qu'il y a certaines femmes qui finalement se disent biologiquement, ils sont plus forts que nous, entre guillemets. Et donc. Là aussi, je n'ai jamais compris. Mais il y a des femmes qui disent aujourd'hui. C'est le contraire. Une femme qui se dit homme et qui va faire une compétition avec les hommes. Est-ce qu'on va lui dire non? Parce que toi, tu vas être faible, tu ne vas pas gagner, il ne faut pas que tu sois là. En fait, ce que disent certaines athlètes femmes, c'est qu'à partir du moment où ces personnes qui sont biologiquement, pour la plupart, plus aptes à, par exemple, courir plus vite que nous, etc., ils vont commencer à gagner tous les... Et donc, nous, on se retrouve finalement, après avoir lutté pour avoir le droit de faire du sport, avoir lutté pour voter, etc. Maintenant, on a des hommes qui peut-être étaient perdants chez les hommes, qui viennent gagner chez nous. Et ça crée cette problématique. J'ai suivi une histoire pareille d'une athlète sud-africaine. On lui a créé problèmes comme ça. Mais tu en as certaines, ce sont vraiment des femmes, mais elles ont beaucoup de testostérone. Ça, voilà. J'ai vu aussi. Donc là, elle aussi, elle avait un niveau très différent, mais les faits. Voilà. Elle, c'est injuste, par contre. Parce que c'est une femme pour de vrai. Oui. Mais y a des gens qui sont nés hommes et qui ont même fait de la compétition en tant qu'hommes. Et puis un jour révèlent que non, en fait, moi, voilà, j'ai toujours voulu machin. Commencent à faire leurs trucs, leurs hormones, etc. Et puis ils passent et deviennent numéro un chez les femmes. Et les femmes se disent, oui, et nous, finalement. C'est pour ça que j'ai parlé des lois. Je pense que même au niveau sportif, ils doivent vraiment réajuster aussi les lois, voir aussi ce genre de cas. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui doit être... Donc la loi doit être vraiment claire pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté.